Bonjour. C'est bientôt le temps de migrer vers un autre appareil. Et vous craignez de perdre des données importantes? Ne vous inquiétez pas. L'équipe Mobile Extra sera là pour vous assister. Pour garantir une migration sans tracas, voici quelques détails importants. Assurez-vous d'avoir fait une sauvegarde de votre appareil dans les 24 heures précédant votre rendez-vous. Sur un appareil iOS, dans vos réglages, sélectionnez votre profil en haut. Naviguez vers votre menu iCloud et sélectionnez « Sauvegarde iCloud ». Sur un appareil Android, dans vos réglages, naviguez vers vos services Google et sélectionnez « Sauvegarder ». Assurez-vous de prendre en note l'adresse courriel qui vous sert d'identifiant en haut de l'écran et d'en connaître le mot de passe, car vous aurez à le rentrer sur votre nouvel appareil. Durant la configuration initiale, votre appareil aura à se connecter à votre réseau Wi-Fi. Assurez-vous d'avoir le mot de passe de celui-ci à portée de main également. Assurez-vous d'avoir chargé vos deux appareils et d'avoir votre bloc d'alimentation ainsi que votre câble à portée de main. Il se pourrait que vous ayez à le brancher afin de compléter la restauration. Certaines fonctionnalités, telles que la reconnaissance vocale ou faciale, peuvent être configurées plus tard et il serait mieux d'attendre après votre rencontre de migration pour les compléter en toute quiétude. Si votre migration se déroule de façon virtuelle, assurez-vous d'avoir le bon lien de connexion pour la vidéoconférence. Si vous êtes dans un endroit bruyant, utilisez un casque d'écoute. Insérez la carte SIM à l'avance dans votre nouvel appareil, si cela n'a pas déjà été fait. Vous aurez besoin de l'outil qui est inclus dans la boîte ou d'une petite aiguille. Surtout, n'utilisez pas l'appareil à configurer pour vous connecter à la vidéoconférence. Votre appareil devra être redémarré parfois plus d'une fois et cela coupera la connexion. En dernier lieu, n'oubliez pas que vos collègues aussi ont hâte de configurer leurs appareils. Soyez ponctuels et avertissez-nous de tout empêchement. On se voit bientôt avec votre nouvel appareil. Si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour vous aider. C'est ça, Mobile Extra.